Je suis pour. Pourquoi? Parce que les dépenses dans le foyer, ça doit être réciproque. Dans une vie conjugale, la femme doit beaucoup apporter un plus et l'homme aussi doit apporter un plus afin que les biens soient équilibrés et qu'ils évoluent ensemble. Par exemple, si la femme a conçu de manière anonyme, ce n'est pas normal qu'au finish, le mari ne le découvre pas. Parce que dans le vrai amour, il n'y a plus de secret. On a que secret pour ceux qu'on ne connaît pas. On ne doit pas tout dire, on ne doit pas tout sortir du ventre. Mais que cela ne tienne, dans une relation, l'homme quittera son père, sa mère, sa chair, sa femme. Ils formeront une seule chair. Donc il y a des choses que vous n'avez plus. Tu ne peux pas mourir avec un secret tandis que tu disais que tu aimais la personne. Donc moi, je suis pour le bien de tous. Patati. Patata. Oui, je suis pour. Je suis pour parce que la femme est une aide pour l'homme. Et si c'est une aide, elle doit être une aide en tout. Que ce soit dans les problèmes sociaux, que ce soit dans la vie courante. Si le mari a des problèmes financiers, la femme doit l'aider. Si le mari a des problèmes dans la famille, la femme doit venir son mari en aide. Donc je suis pour. Patati. Patata. Bien sûr, je suis pour. Parce que on est en couple, il faut qu'on s'aide. Si la femme a quelque chose, elle peut aider l'homme à certaines tâches dans la maison. Moi, je suis pour le partage. Patati. Patata. Non, moi, je suis pour. Moi, je suis pour. Oui, parce que, écoutez, on est deux responsables dans le couple. Il n'y a pas un seul responsable. La femme est responsable, l'homme est responsable. Alors, si je suis essoufflé, les responsabilités peuvent être prises en relais par ma compagne. Si je suis en forme, elle peut se reposer un peu. Si on est fatigué tous les deux, on s'entraide, puisqu'on est censé être complémentaires. Donc, je suis pour le partage des charges. Patati. Patata. Ah, la question. Même pour moi, la question n'a pas lieu d'être. Pour ou contre les charges, tout ça, le partage des charges à la maison. La question n'a pas lieu d'être pour moi, n'a plus même lieu. Aujourd'hui, on parle d'émancipation. Aujourd'hui, la femme fait tout. D'accord? Tout ce que l'homme fait, elle le fait. Hein? Donc, je crois que au niveau du partage de charges, oui. Je suis pour. D'accord? Voilà, on n'est plus à l'époque où c'est le vieux qui allait. Non. Aujourd'hui, on fait tous la même chose. On parle d'émancipation. Actuellement, on parle même d'égalité. Donc, je suis pour le partage de charges à la maison. Patati. Patata. Je suis pour. Parce que déjà, donc, je peux. Bien. Mais surtout de parler, regardons, je continue, bien vous allez. Voilà. Je suis pour déjà parce que dans un foyer, déjà aider son homme, c'est beaucoup, c'est très important. Parce que quand on laisse l'homme tout faire aussi, c'est un poids en fait pour lui. Il ne va pas le dire à la femme que non, tu me fatigues, mais il y a des faits. Un homme par exemple qui travaille, il part tout le temps au travail, toi tu es à la maison, il sait que chaque mois les charges sont pour lui. Alors que si toi la femme aussi, tu fais un petit bricole, tu apportes un petit quelque chose pour. Si déjà l'homme paye la maison, toi tu payes l'eau, c'est déjà. L'homme ne va pas te dire qu'il est content, mais d'un côté, il va dire, ah, j'ai une bonne femme quand même qui pense à m'aider, en fait. Je pense que c'est dans ce sens. Je suis pour que l'État soit partagé de manière et du genre égale, en fait. Du genre, une femme doit aider son homme. Doit aider son homme. Moi, je suis pour. Patati. Patata.